Vous l'avez parfaitement compris, hein, cette excellente chanson de Alpha Blondy qui est toujours d'actualité. Hein, voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donc avoir notre invité dans une petite minute. Il s'agira donc du docteur Doumbia Major. Je pense qu'il doit être en ligne. Bonsoir, docteur. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, monsieur Jacques Rouget. Voilà, voilà. Alors, nous sommes tentés donc de nous poser la question. Où est le docteur actuellement, docteur Doumbia? Est-ce qu'actuellement vous êtes en Afrique, en Europe ou bien aux États-Unis? Peu importe. Je suis actuellement en Europe. Ah, en Europe, voilà. Nous allons aller très rapidement. Vous sentez en Europe. Hein. Alors, il y a beaucoup donc d'Ivoiriens qui se posent la question. Après donc l'avènement donc Monsieur Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, on a pensé que vous allez donc rentrer définitivement hein, chez vous. Ça fait pratiquement 2 ans. Vous êtes toujours encore en Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes un peu persona non grata actuellement à Abidjan, comme un peu sous le régime de Monsieur Laurent Gbagbo? Persona non grata, c'est un peu trop dit, mais vous comprenez que pas plus tard que avant-hier, et j'ai été accusé de tentative ou sinon d'incitation à coup d'État. Ça fait la une même de la presse en Côte d'Ivoire. Et donc, dans ces conditions, il est difficile pour moi d'aller me mettre en insécurité quand on sait la nature même hein, du régime actuel qui est très allergique aux critiques. Et vous êtes sans ignorer, je pense que dans l'un de nos débats, à la veille donc des élections législatives pour lesquels je n'ai pas pu me présenter. Vous êtes sans ignorer que ma vie était en danger, que cela, ma vie faisait l'objet de menaces de la part des personnes qui elles-mêmes l'ont avoué devant témoins après. Donc, dans ces conditions et dans cette situation d'insécurité et généralisée au niveau du pays, vous comprenez que le moment n'est pas forcément le mieux choisi pour s'y rendre. Et donc, pour l'instant, je poursuis mon séjour à Paris. Je voyage entre la Côte d'Ivoire et la France où je suis résident et l'Afrique, dans d'autres pays d'Afrique. Je considère que un humain a dans sa mission sur terre de servir soit sa communauté, de servir son pays ou de servir l'humanité. Et donc, quand on n'est pas forcément chez soi, on peut toujours apporter sa pierre à l'édifice le temps de notre passage sur cette terre en apportant ce qu'on peut apporter à l'humanité. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Voilà, merci beaucoup, docteur Doumbia Major, ancien membre de la FECI. Je crois qu'il était présent aussi du Congrès panafricain aussi, tout ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites un peu, excusez-moi de vous poser la question de cette manière, qu'est-ce que vous faites actuellement à Paris hein? Vous avez eu le doctorat, qu'est-ce que vous faites réellement, à part la politique? Ben, à part la politique, je suis rattaché au laboratoire d'analyse des discours politiques qu'on appelle Testopol, qui est lui-même rattaché, sinon qui travaille en collaboration avec un autre laboratoire qui est le CIDITEC. Et donc, je travaille pour ce laboratoire-là en contrat avec l'université, donc Paris 12, maintenant appelée UPEC.
Voilà, je fais de l'analyse automatisée des discours politiques et médiatiques. Et je suis actuellement sur des projets très, très intéressants, qui un projet sur l'étude de la représentation de la consommation de l'alcool en France de 1980 à 2010, qui est très absorbant, ce qui fait que souvent les gens me voient connecté, mais bon, je suis en train de travailler. Et à côté de ça, j'ai un autre projet sur lequel je travaille qui est relatif à un logiciel d'analyse automatisée des discours politiques qu'on appelle Test Observer, qui est un logiciel que notre laboratoire lui-même met en place. Et nous travaillons activement sur ces projets-là, qui sont des projets dans le cadre d'équipes de recherche. Et voilà, nous apportons de plus à l'humanité comme nous pouvons. Voilà, ok. Alors, j'ai tenu à poser cette question puisque c'était mal la mauvaise langue disait que le docteur Doumbia est un réfugié politique encore à Paris, il ne veut pas du tout rentrer, que bon, là, il ne fait pratiquement rien un peu à Paris, hein, voilà. Alors, donc, voilà, ce qui éclaire pratiquement un peu beaucoup, donc, si vous voulez, donc, de mauvaises, j'allais dire, informations un peu partout. Alors, de toute façon, vous n'êtes pas du tout surpris, hein, depuis que vous êtes docteur, depuis que vous êtes Doumbia Major, hein, il y a toujours beaucoup, donc, d'informations sur vous, beaucoup de spéculations, mais voilà, vous continuez toujours, hein, bon, petit bonhomme de chemin. Alors, nous allons, avant de revenir, parler donc à la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire maintenant. Puisque vous étiez un ancien membre de la FECI, à un moment donné, on avait dit aussi que vous étiez proche de Guillaume Soro. On a dit que vous étiez proche aussi de Monsieur Ibé. On vous a retrouvé aussi proche aussi de Monsieur Anaki Kobena. On disait que vous étiez aussi proche donc de Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Alors, qu'en est-il réellement? Et est-ce que vous avez aussi des contacts avec les anciens membres de la FECI? Ben, d'entrée, je voulais régler ce problème-là de façon définitive. Moi, je ne suis proche de personne. Je ne suis proche de personne, je ne suis ni proche de M. Alassane Ouattara. J'ai des amitiés avec M. Anaki Kobena, ça c'est personnel. Ben, sur le champ politique, je ne suis véritablement proche de personne. Parce que j'ai des collaborations autour de certaines valeurs, autour de certains principes, avec des personnes qui souvent sont des personnes que je ne connais pas, mais qui prétendent partager ces mêmes valeurs que moi. Et donc, nous nous mettons ensemble à un moment donné pour pouvoir atteindre des objectifs collectifs. Et donc, ce qui est important pour moi dans ces collaborations qui peuvent être durables ou momentanées, c'est quelles sont les valeurs autour desquelles nous nous regroupons. Et donc, il m'est arrivé de me retrouver avec un certain nombre de personnes pour débattre, discuter ou défendre certaines positions qui étaient des positions de principe, qui étaient des valeurs, n'est-ce pas, auxquelles je croyais. Et donc, mon parcours politique, mon parcours syndical, mon parcours de vie, même, on peut l'appeler ainsi, est un peu le reflet de ces croisements que j'ai faits. Dit que Doumbia Major est attaché ou fidèle ou pro ou a pour mentor telle personne, je pense que ça relève du fantasme de certaines personnes qui pensent qu'on ne peut pas avoir une certaine indépendance d'esprit. J'ai ma totale indépendance d'esprit. Je ne dépends de personne et mon cerveau n'est sous le couvert de celui d'aucune personne. Voilà. Et donc, il faut que ce soit très clair dans l'esprit des uns et des autres. Alors, vous avez parlé donc des valeurs que vous défendiez, hein, que vous défendez toujours, hein, mais bah, ces valeurs vous ont mis pratiquement sur la route, au moins, des personnalités comme Monsieur Ibé, comme Monsieur Soro Guillaume, comme aussi un nouveau de la rébellion. Alors, nous sommes tentés donc de nous poser la question, quelles valeurs réellement vous défendez? Ben, les valeurs que je défends, si vous voulez, c'est des valeurs de partage, de solidarité, qui sont fondées sur une idée très claire. Pour moi, nous sommes fils d'un pays et la nature, on va appeler ça comme ça, Dieu nous a donné des ressources dans ce pays. Les premières ressources sont les hommes, hein, que nous sommes, et les secondes ressources sont les ressources naturelles que nous avons. Et d'ailleurs, je pense que la première ressource qui est humaine est d'abord plus importante et plus précieuse que
les ressources naturelles que nous avons qui sont aussi indispensables. Et donc, nous nous mettons ensemble en tant qu'humains à l'intérieur d'un État, et notre mise en relation, cette interrelation, a pour but de faciliter la vie ensemble, de sorte que on puisse avoir un bonheur commun. Et donc, il faut utiliser les ressources collectives, ce qui appartient à tout le monde, hein, pour créer le bonheur, créer des emplois et aider ceux qui sont en situation difficile et permettre un certain nombre, hein, la mise en place d'un certain nombre de services. Et donc, depuis toujours, j'ai pensé, je continue de penser que la redistribution, équitable des ressources publiques est une chose qui est importante quand on s'engage en politique et que le politicien est quelqu'un qui se met au service de la communauté pour permettre cette redistribution équitable des ressources pour utiliser ces ressources communes pour pouvoir générer le développement. Et donc, je me suis toujours battu pour que ces ressources collectives soient gérées de façon transparente, de façon équitable et que les affaires publiques de façon générale, puissent être gérés dans l'équité, dans la transparence et dans la justice. Voilà. Donc, ce sont des valeurs de solidarité, ce sont des valeurs de justice, ce sont des valeurs aussi d'intégrité, parce que pour moi, ceux qui doivent donc diriger les affaires publiques doivent être des gens choisis sur la base de certains critères de moralité, des critères de compétence et des critères d'intégrité. Et donc, toutes ces valeurs-là qui sont le substrat motivationnel de mon engagement politique, et c'est pour ça que je me bats. Je me bats pour les personnes les plus défavorisées de mon pays, pour que ces personnes-là puissent avoir leur dû, pour que ces personnes-là ne puissent pas être exclues par une minorité qui soit une minorité prédatrice. Comprenez? Que ces personnes ne soient pas exclues par des individus qui, parce qu'elles ont la force, hein, physique ou la force des armes, puissent s'imposer à ces personnes, les exploiter et dénier à ces personnes leurs droits. Voyez-vous? Donc c'est autour de ces valeurs-là que je pourrais résumer en valeurs démocratiques, en respect des droits de l'homme, que je me bats depuis toujours. Et vous avez vu que même quand j'étais étudiant, dans le cadre du syndicat étudiant, j'ai toujours dit et défendu que je me levais avec les autres camarades. Et c'était ensemble que nous défendions ces valeurs. Nous nous élevions donc contre le fait que l'école soit le lieu de la conservation de la hiérarchie des classes et que les conditions créées au niveau de l'école, au niveau du financement de l'école, fassent que les fils des pauvres ne puissent pas avoir accès aux études et que demain ou dans le futur, que ce soit les riches qui viennent gouverner les pauvres qui seront restés au bas de l'échelle, conservant ainsi la hiérarchie des classes. Ce combat, nous l'avons mené de façon transparente, sincère, et voilà, nous avons eu des acquis. Bon, quand je suis parti de la FECI dans les conditions que les gens savent, parce que j'ai défendu des positions, des principes quand j'y étais, qui était que la FECI ne devait pas s'inféoder à un parti politique. Ça m'a valu des arrestations, ça m'a valu la torture, ça m'a valu l'exil, et même parti en exil, hein, du fait d'un certain nombre de camarades qui avaient pris position pour le pouvoir FPI d'alors, je me suis dit qu'il fallait toujours continuer l'engagement et militant pour pouvoir apporter un plus à son pays. Et donc, depuis l'extérieur, je me suis associé, je collaborais avec des personnes qui défendaient un certain nombre de valeurs, qui prétendaient défendre un certain nombre de valeurs. Oui, C'est pas justement. bon. Oui, justement, en parlant un peu de ça, est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas quand même un peu des regrets, hein, parce qu'on vous a trouvé un peu à gauche de la gauche même, avec bon les personnes que vous avez certainement eu à croiser tout le long certainement de votre carrière un peu politique, hein. Tout à l'heure vous avez parlé donc de justice, de moralité, d'intégrité, de respect quand même des droits de l'homme. Quand vous prenez de la FECI aujourd'hui, hein, la FECI ne fait pas du tout bonne presse. Il n'y a pas eu tellement le respect de tout des droits de l'homme et autres. Quand vous prenez un peu aussi la rébellion aussi, même si au départ les idées étaient quand même assez nobles, mais cette rébellion n'a pas du tout respecté aussi les droits de l'homme. Il y a eu des violations.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, hein, dans votre tout le long de votre parcours, vous n'avez pas quand même des regrets? Vous savez, on a toujours des regrets, souvent, de n'avoir pas croisé les bonnes personnes. Mais on ne peut pas culpabiliser pour autant. Quand vous êtes associé à des personnes et que ces personnes-là se révèlent après être des personnes de mauvaise moralité qui pensent qu'elles vous ont dupé, ce n'est pas à vous de vous en prendre à vous-même. Ces personnes n'ont fait que révéler les véritables personnes, les véritables personnalités. Donc, moi, dans mon combat que j'ai mené avec les différentes personnes, j'ai été sincère. J'ai été toujours sincère, j'ai toujours mené le combat, je me suis toujours arrangé pour que je ne sois pas impliqué dans des vols de deniers publics. Quand j'étais étudiant au sein de l'association des étudiants, j'ai posé avec fermeté et détermination les revendications des étudiants. J'ai défendu ces revendications des étudiants jusqu'au bout. Au jour d'aujourd'hui, on peut se targuer, en tout cas l'équipe dans laquelle j'étais, dans laquelle j'étais bleu aussi, avant qu'on ne se sépare, on peut se targuer d'avoir apporté quand même certaines choses aux étudiants grâce à nous. Il y a certains étudiants qui n'ont pas été renvoyés à partir de la troisième année, on leur a assuré ce qu'on appelle l'immunité à eux. Grâce à nous, il y a eu plus de bourses à l'université parce qu'on a mené ce combat. Grâce à nous, et je l'ai dit quand j'étais secrétaire à l'organisation, on a mis en place un système pour pouvoir ordonner les personnes qui entrent dans les bus. Ça n'existait pas. Nous l'avons commencé à l'université avant que ça prenne aujourd'hui tout Abidjan. Voyez-vous, nous avons inculqué des comportements. Les étudiants qui étaient dans les grandes écoles, nous nous sommes battus pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'harmonisation des frais de scolarité. Et c'était arrêté avec nous. Et c'est moi qui ai signé même le contrat et l'accord avec M. De Songhi, ministre de l'Enseignement technique à l'époque. Nous nous sommes arrangés pour que les étudiants orientés payent tous 15 000 francs CFA dans toutes les grandes écoles de Côte d'Ivoire. Et donc, voyez-vous, ça, ce sont des batailles, les batailles sur les systèmes d'unité des valeurs. Parce que avant nous, on ne pouvait pas passer d'un cycle à un autre avec une unité en retard. Mais nous nous sommes battus pour qu'avec une unité de valeur en retard, on ne fasse pas perdre toute une année à un étudiant. Donc, il y a eu des actes comme ça que nous avons posés et qui vont dans le sens des intérêts des étudiants. Nous l'avons fait de façon sincère, avec des impairs par-ci, par-là, que, bon, dans toute action humaine, il peut y avoir, mais c'était un combat sincère. Voilà. Et donc, à la fin de ce combat, le politique est entré en scène. Nous avons dit, mais non, nous n'acceptons pas que le politique vienne s'immiscer dans les affaires des étudiants d'une certaine façon. Il ne faut pas qu'on prenne position. Je n'ai pas été compris. Ça donnait ce que ça donnait. Je suis allé en exil. Sur les faits, j'ai eu des camarades qui ont été tués. Ceux qui m'ont soutenu, certains ont été molestés, d'autres ont eu des bras cassés. Il y a des témoins vivants de ces choses-là qui sont de moi, sinon, moi qui n'avais pas de soutien, de mentor à l'époque, je n'avais pas la police ni la justice avec moi, je serais aujourd'hui en prison. Mais nous sommes restés fermes en défendant nos positions, nous sommes restés sur ces positions et nous avons accepté d'aller en exil, d'abandonner nos familles, d'abandonner ce que nous aimons pour aller préserver notre vie et ailleurs et que le combat puisse continuer. Aujourd'hui, après que nous soyons partis, la FECI, après, s'est alliée avec le pouvoir qui était là. Il s'est inféodé totalement à ce pouvoir en se transformant avec la protection militaire de ce pouvoir-là en une mafia. Mais bon, le temps nous a donné raison. Et donc, après cet épisode, quand nous sommes retrouvés en exil, il y avait d'autres combats à mener. Nous sommes restés dans ce combat. Nous sommes restés dans ce combat. C'était le combat pour la démocratisation de notre pays autour de certaines valeurs. Aujourd'hui, aujourd'hui, je faisais une sorte de rétrospective en lisant les déclarations que nous faisions en 2003 autour de certaines valeurs de fraternité entre Ivoiriens, de justice, d'honnêteté. Nous ne nous battons pas
pour des carrières. Nous ne nous battons pas pour des postes ministériels. Nous voulons une Côte d'Ivoire réunifiée où tous les fils, comme un seul homme, puissent regarder dans la même direction. Nous voulions une Côte d'Ivoire où il y a la justice. Nous voulons une Côte d'Ivoire de paix et une Côte d'Ivoire où des individus n'utilisent pas la force pour s'imposer aux autres. Une Côte d'Ivoire où un groupuscule ne pille pas les ressources publiques au détriment et aux dépens du reste de la société. Donc, c'était ça notre combat. C'était ça notre combat contre les tortures. Nous présentions la mort des personnes comme les T. Émile, des personnes comme les H. Nous présentions des opérations de torture que nous voyons dans le pays et nous nous dirigeons contre ces pratiques-là. Nous sommes choqués de voir que aujourd'hui, des individus qui ont combattu, des individus qui prétendaient combattre cet art de la société, reproduisent. C'est avec beaucoup de regrets que nous le constatons. Mais en même temps, nous ne culpabilisons pas parce que nous disons que nous sommes restés nous-mêmes. Nous continuons de critiquer pour que les choses changent. Alors, la démocratie est un combat perpétuel. Voilà, un combat perpétuel, vous avez parfaitement raison. Nous allons revenir tout à l'heure un peu sur des mots que vous avez décrits tout à l'heure et comparer un peu le régime que vous avez combattu dans le temps avec le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, parlons un peu de la dernière question concernant un peu le système éducatif. Bon, certaines personnes pensent qu'au niveau donc de la FESI, vous avez contribué certainement à détruire pratiquement un peu l'université. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez un cas de conscience? On annonce certainement l'apparition donc de votre ouvrage Regard sur le système éducatif. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez un cas de regret que vous voulez certainement renvoyer donc un peu l'ascenseur? C'est un peu cela? Un cas de regret, c'est trop dit. Je serais trop dit que nous regrettons notre passage. Je vous ai dit les actions que nous avons menées pour l'école. Et dans la sincérité. Et ce combat, nous l'avons fait parce que c'était un combat pour nous-mêmes aussi, qui nous battions pour que nos enfants, nos petits-enfants, ne puissent avoir des conditions meilleures que nous-mêmes. Donc, nous avons mené ce combat vraiment de façon sincère. Maintenant, il est arrivé que, après le coup d'État de 99, les partis politiques voulant avoir la FESI de leur côté, ont créé une sorte de schisme à l'intérieur de ce parti politique, de ce syndicat et de cette association étudiantine, de sorte à vouloir écarter tous ceux qui défendaient la neutralité de ce mouvement qui était devenu des ennemis. Et donc, c'est dans ce schéma que j'ai été présenté comme l'homme à abattre. Et j'ai été l'homme abattu. Comment voulez-vous que celui qui a été torturé pour ses idées, celui dont les amis ont été découpés à la machette pour ses idées, celui dont les amis ont été tués, ait des regrets du fait d'autres personnes? Voyez-vous, aujourd'hui, je dis toujours, chaque fois que je passe à votre radio, et ça fait plus de 10 ans que je le dis, je mets quiconque au défi en Côte d'Ivoire de me dire quel est l'étudiant que Doumbia Major ou ses hommes ont tué. Mais par contre, je cite plusieurs de nos camarades, Bakayoko Memisa à Vridi, Kwasi Hervé à Williamsville, le petit Kinyelman qui a été tué, et Habib Dodo qui a été tué, par des individus qui sont connus, bien entendu. Voyez-vous, mais aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire voici les actes de Doumbia Major. Je n'avais pas le pouvoir. On avait la possibilité de me faire estrader s'il y avait un minimum de preuves contre moi. J'ai été arrêté plus de 4 fois ou 5 fois, je dirais. La prison d'Akouido, la prison d'Agman, le commandement supérieur, la brigade de recherche, l'école de gendarmerie, et tout ça. Si on avait des éléments contre moi, je t'assure que je serais gardé en prison. Donc des regrets, j'en ai pas. Je regrette que des individus aient voulu instrumentaliser l'école, les étudiants à des fins politiques. Ça, je le regrette. J'ai mené un combat que je n'ai pas forcément gagné au moment où je le menais, mais le temps m'a donné la possibilité
de faire triompher ma position sur laquelle je suis resté de façon ferme. Voilà, merci beaucoup de façon ferme. Nous avons connu pratiquement l'école ivoirienne qui avait donc chuté donc ces 10 dernières années. Hein. Avec l'avènement donc Monsieur Alassane Dramane Ouattara, nous avons vu qu'on a injecté des milliards dans le système pour la rénovation, j'allais dire, de l'université, puis j'allais dire des universités. On parle de près de 110 000 milliards. Alors, Monsieur Bakongo a parlé donc d'un départ nouveau. Mais aujourd'hui, les enseignants projettent donc certainement de se mettre en grève. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui quand même un peu d'une mauvaise foi de la part de ces enseignants? Ben, vous aviez annoncé d'ailleurs que j'ai un ouvrage, hein, « Regard sur le système éducatif en Côte d'Ivoire » qui sort bientôt et qui traite à fond de la situation de l'école, qui montre comment l'école aujourd'hui, qui est regardée dans le prisme du libéralisme de Ouattara, du président Ouattara et de ses hommes, est une école qui souffre et qui peut être le lieu d'une certaine conservation de la hiérarchie des classes. Voyez-vous, nos jeunes frères ont été maintenus à la maison pendant plus de un an, sans raison valable. On a fait croire que c'était pour la réhabilitation de l'université. Et d'ailleurs, sur cette question, j'ai dit qu'il y a des universités où il y avait l'amiante. Hein. Jussieu, par exemple, a encore une université plus grande. Mais les travaux sur l'amiante ont été faits pendant que les étudiants étaient à l'école. Voyez-vous? Et quand j'étais à l'université Paris 12, devenue UPEC, j'ai même présenté des vidéos où il y avait des travaux au sein de l'université, des grands travaux au sein de l'université, pendant qu'on faisait cours, on changeait de salle, on s'arrangeait. L'université d'Abidjan n'avait vraiment pas tous ces problèmes. La faculté de médecine qui se trouve en médecine, les étudiants pouvaient faire cours tranquillement, et de nombreuses autres facultés, l'ENS, pouvait accueillir des étudiants, mais bon, on avait besoin de fermer l'université pour utiliser les résidences universitaires comme caserne de substitution et autres. On l'a fait, on a mis un autre prétexte en avant. Ben, écoutez, nous respectons ces arguments, nous n'allons pas revenir dessus, mais nous disons que c'est un gâchis. Nous disons que c'est un gâchis et au sorti de ce gâchis, on nous a présenté une situation qui est que les étudiants désormais devront payer, on va dire, 100 000 francs, 200 000 et 300 000 pour les premiers, deuxièmes et troisièmes cycles. Voyez-vous, nous disons, ben, écoutez, des étudiants qui sont restés à la maison pendant une année, qui avaient payé des frais de scolarité, logiquement, on ne peut pas, quand on reprend l'école qui n'a pas été fermée de leur fait, on ne peut pas leur demander de payer d'autres frais de scolarité. Mais ça a été fait. Oh, bon, le président a dit après que les citoyens aient crié pour dire qu'ils n'acceptaient pas, le président leur a dit après savoir qu'il suspendait sa mesure pour 2 ou 3 ans. Ça veut dire que dans 2 ans, les étudiants ivoiriens paieront 100 000, 200 000 et 300 000 francs pour s'inscrire à l'université. Mais comment vous pensez que des pareilles choses peuvent se faire dans une université d'un pays en voie de développement? Vous êtes aux États-Unis, vous savez très bien que même aux États-Unis, l'école, l'université est gratuite pour les pauvres. Même aux États-Unis, pas toutes les universités. Et d'ailleurs, j'ai fini de lire un ouvrage de Stiglitz sur la question. Il y a beaucoup de services gratuits aux États-Unis. En France, l'université est gratuite pour les pauvres. Voyez-vous? Et on ne peut pas comprendre que l'université de Côte d'Ivoire soit plus chère que l'université française. J'ai fait mon doctorat en France dans une université publique à 300 euros, 340 euros, comme ça, c'est-à-dire autour de 200 000 francs CFA. Mais on ne peut pas demander à des étudiants ivoiriens de payer 300 000 francs CFA pour payer, pour faire une thèse. Voyez-vous, quand on sait que le salaire moyen en Côte d'Ivoire est de 60 000 francs, décret qui n'a d'ailleurs pas encore été signé, et donc des citoyens ivoiriens continuent d'être payés
à 30 000, à 32 000, à 15 000 francs pour les travailleurs domestiques. Et voyez-vous, dans l'indifférence de l'État, bien entendu, c'est des choses qui sont sûres. Et il y a des hauts fonctionnaires qui ont des bonnes, donc on va dire, des femmes de ménage et des travailleurs domestiques chez eux, qui ne se gênent pas à payer ces personnes-là à 15 000, à 20 000 francs, c'est pas. Voyez-vous. Et donc, comment un père de famille qui a 50 000 francs comme salaire, 100 000 francs comme salaire, peut se permettre d'utiliser 300 000 ou 200 000 pour payer des frais de scolarité? Nous arrivons à quelle situation? Nous arriverons à une situation où les fils des défavorisés ne pourront plus avoir accès à l'école. Et donc, comme ils ont eu l'intelligence, ou on va dire l'intelligence cynique, de hiérarchiser les niveaux, hein, et donc, premier cycle 100 000, deuxième cycle 200 000, troisième cycle 300 000, finalement, le coût est indexé sur le niveau. Alors que nous savons que les étudiants de troisième cycle vont moins à la faculté que les étudiants de premier cycle. Mais peu importe, on fait en sorte que les diplômes les plus élevés soient plus chers, de telle sorte que les fils, les enfants, les étudiants défavorisés ne puissent pas avoir accès à ces diplômes. Et donc, ce sont des personnes qui sont dans une certaine catégorie sociale qui pourront scolariser désormais leurs enfants. Et finalement, on revient à une situation où les riches peuvent avoir accès aux diplômes qui donnent accès aux métiers les plus grands du pays. Les pauvres ont accès aux diplômes les plus bas et la société se conserve dans sa hiérarchie de cette façon et une exclusion douce s'est faite en utilisant l'école comme le lieu et le moyen. Voyez-vous? Et donc, nous définissons clairement ces situations qui sont révoltantes, hein, pernicieuses dans cet ouvrage-là. Vous verrez, quand vous lirez, il est très, très intéressant. Et vous verrez que, voilà, il y a des choses que j'explique, les différents intérêts de groupe, de classe, les intérêts pécuniaires qui sont derrière ces affaires, et quelles sont les conséquences avec une étude comparative que je fais entre la situation de l'école en Côte d'Ivoire et la situation de l'école dans d'autres pays de l'Afrique, n'est-ce pas, Afrique de l'Ouest et en Occident. Et puis, bon, voyez-vous, je démontre que ce mode de financement qu'ils choisissent est un financement qui n'est pas intelligent et je propose des financements alternatifs. Et là, à quand la sortie donc de votre ouvrage? Je rappelle, hein, l'ouvrage, c'est donc Regard sur le système éducatif. À quand la sortie? Oui, c'est déjà sur le marché? Ben, c'est pas encore sur le marché. L'ouvrage est chez l'éditeur qui est en train de, donc, d'y apposer les derniers réglages. Parce que bon, il estime que il faut pouvoir ménager un peu, puis bon, voilà. Et donc, parce que dans l'ouvrage, on montre aussi comment c'est le système scolaire, cette vision libérale du système scolaire peut avoir des conséquences en donnant ou en générant ce qu'on appelle des déchets sociaux, qui peuvent se retrouver dans des organisations violentes ou à la tête de certaines rébellions. Et puis, ben, voyez-vous, des personnes qui ont été exclues parce qu'elles n'ont pas pu avoir les moyens d'accès à certains niveaux d'études, n'ont pas eu le financement, peuvent se retrouver après comme des dangers pour la société elle-même. Très peu formés, mais qui veulent quand même diriger cette société parce qu'ils estiment être frustrés de ce à quoi ils ont droit, ou du fait des moyens qu'ils n'avaient pas. Et donc, nous donnons quelques exemples concrets, précis, hein, dans cet ouvrage-là, en donnant les conditions d'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de vie de certains individus, qui a été un des éléments explicatifs de certaines prises de position. Et donc, tout ça est encore en train de faire débat dans l'ouvrage. Et donc, voyez-vous, quand vous verrez, ce sont des éléments comme ça, anecdotiques, qui rend l'ouvrage intéressant. Mais bon, le débat continue dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut arrêter et qu'est-ce qu'il ne faut pas garder aussi.
Voilà, comme je l'ai dit, hein, comme je l'ai dit, voilà, bon, ça c'est la toute dernière question, je promets, la toute dernière question, hein. Alors, j'ai dit tout à l'heure, malgré donc les investissements, hein, au niveau donc de l'université, près de 110 milliards, les étudiants et puis les élèves menacent certainement d'aller donc en grève. Alors, le gouvernement aussi de son côté, hein, menace d'emprisonner ou bien de radier des grévistes. Est-ce qu'on peut parler quand même d'un grand menace ou bien de recul donc des libertés et des droits sociaux actuellement en Côte d'Ivoire? D'abord sur l'université, Monsieur Jacques Rouget. Sur l'université, ce qu'il faut dire, il faut avoir le courage de se dire la vérité dans ce pays une fois pour de bon. Parce que ce que les uns et les autres gèrent, ce n'est pas des plantations de café personnel. C'est notre pays. Ce sont nos ressources collectives. Ce sont nos dettes que nous empruntons pour que nous paierons, que nos enfants, petits-enfants paieront. Et au nom de ces dettes-là, certains n'auront pas des équipements demain dans les hôpitaux, certains n'auront pas des écoles qu'ils devront avoir, certains n'auront pas d'autres services publics qu'ils devront avoir parce que le pays sera occupé à payer des dettes que certains ont prises et que d'autres ont peut-être détournées pour leur enrichissement personnel. Et donc, pourquoi il est bon qu'on se parle dans la sincérité? Cela dit, on ne peut pas dans un pays adopter des lois, c'est-à-dire des règles de vie en communauté, et que des individus violent impunément ces lois. On ne peut pas signer des accords, hein, des traités avec d'autres nations et que nos propres dirigeants violent les règles qui nous lient à ces autres nations, donnant de nous l'image d'État voyou. Ça n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et donc, pour revenir au cas Bakongo, on ne peut pas accepter qu'un marché qui part de 47 milliards se retrouve à 110 milliards, soit un marché qui soit passé de gré à gré, violant même les règles de l'UEMOA et les règles de l'État de Côte d'Ivoire sur la question des passations de marché public. Ça a été fait pour le marché de l'université. Ça a été fait pour le marché de la réhabilitation des prisons. Ça a été fait avec Kandia Camara pour le marché de l'inscription des élèves avec une société, CELPED du ministre Soumaoro, qui s'est octroyé ce marché passé par un autre ministre. Voyez-vous, ce sont des pratiques malsaines. Ce sont des pratiques qui sont même contre les règles même du libéralisme. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et quand je vois que le président Ouattara conserve dans le gouvernement des personnes qui violent les lois de Côte d'Ivoire et les traités qui nous lient à d'autres pays, je me dis, ben, écoutez, monsieur le président, vous nous avez promis une rigueur, vous nous avez promis de l'intégrité, vous nous avez promis de garder avec vous que des personnes intègres. Mais quand vous gardez dans votre gouvernement des bandits, des délinquants à col blanc qui violent les règles que nous nous sommes librement fixées de la sorte, j'ai dit, Monsieur le Président, je suis déçu. Je suis déçu parce que l'image que j'avais de vous, c'est pourquoi je me suis battu pour que vous soyez président, croyant que vous apporterez le changement. Écoutez, Monsieur le Président, ma soif est loin d'être étanchée en regardant, en voyant ce type de pratique se perpétuer sous votre mandat. Logiquement, après ce genre de comportement qu'on a observé chez Anne Ouloto, qu'on a observé chez Kandia Camara, qu'on a observé chez Big Togo, qu'on a observé chez Bakongo. Bakongo Cissé, ben vous deviez les démettre du gouvernement pour donner un signal fort, pour montrer à ce peuple-là que vous n'êtes pas dans la gabegie, vous n'êtes pas dans le clanisme, vous n'êtes pas dans le favoritisme et vous n'êtes pas dans le clientélisme. Mais que non, nos attentes sont restées insatisfaites. Et donc, notre déception va de plus en plus grandissante. Et donc, vous prenez, Monsieur le Président, un décret pour dégommer, j'utilise ce terme-là, le DAF du ministre Bakongo sur
en évoquant des questions de gouvernance. Donc, vous allez faire le ménage dans la maison de M. Bakongo. Parce qu'il y a eu des surfacturations et qui sont des choses visibles. Et vous demandez dans le décret clairement à M. Aoussou, votre Premier ministre, de prendre les dispositions pour que l'affaire soit éclaircie. Vous savez les conditions dans lesquelles le marché a été passé à Sidi Kanyassi. Vous savez que depuis que la rébellion a commencé jusqu'à aujourd'hui, M. Sidi Kanyassi, qui débute dans le coton, hein, qui est impliqué dans des affaires de coton avec les parents, des cotons non payés et autres, qui se retrouve après dans le marché de l'identification, donc du vendeur de coton, le monsieur devient subitement un informaticien qui va négocier un contrat avec SAGEM qu'il sous-traite. Donc, il n'en a pas véritablement les compétences, mais de gré à gré, on se passe des marchés comme ça, des 200 milliards sur le marché de l'identification, avec une stratégie que tout le monde connaît, qui est la stratégie de ce que on appelle les... Et, en fait, c'est des annexes. Hein? Donc, à chaque fois, M. Sidi Kanyassi va toujours ramener des annexes au contrat qui augmentent, hein, le coût des contrats de base. On l'a vu avec l'identification. On l'a vu aussi avec le contrat de l'université. Bref, il n'y a rien à dire. Votre femme construit des maisons, dit que cette université repeinte a coûté 110 milliards. Monsieur le Président, si vous croyez à ça, je vous dis que, ben, écoutez, je vous laisse la liberté de croire. Mais pour moi, ce que nous attendons d'un travail de 610 milliards, ce n'est pas ce qui a été fait. Et donc, c'est compréhensif qu'aujourd'hui les cités ne soient pas refaites. On ouvre l'université avec des étudiants qui sont à la maison, des étudiants handicapés. Comment ils s'arrangent pour aller à l'école? Il n'y a pas de cité universitaire, ils doivent se battre pour prendre le bus. C'est pas sérieux. Et on vous dit départ nouveau. Dans le départ nouveau, j'ai des ceux qui ont été mes profs et des collègues qui enseignent à l'université qui me disent, mais on n'a même pas, nos laboratoires sont vides. Les bibliothèques sont vides. Il n'y a pas d'inscription même à des bases de données. Comment des étudiants peuvent, au jour d'aujourd'hui, travailler sans que l'université soit inscrite à des bases de données que nous utilisons dans le cadre universitaire un peu partout aujourd'hui? Voyez-vous? Et donc, ça a été une grosse arnaque. Et je pense que si M. Bakongo avait un minimum de dignité, je pense qu'il aurait démissionné. Parce que pendant que une enquête est en cours concernant un ministre, il doit avoir la décence de rendre son tablier en attendant que la lumière soit faite. On a besoin de le lui Alors, demander. de ce côté-là, on sent le chef de l'État quand même assez impuissant. Nous ne savons pas pourquoi. Nous avons connu M. Alassane Dramane Ouattara avec la rigueur quand il était dans l'opposition, la manière dont il critiquait un peu le régime de M. Henri Konan-Bédié et de M. Laurent Gbagbo. Nous avons pensé qu'avec lui, il allait certainement avoir la rigueur. Alors, selon vous, hein, pourquoi le chef de l'État n'arrive pas du tout à prendre donc des sanctions comme ces personnes qui violent les principes élémentaires que lui-même il s'est fixés, hein, de probité, de loyauté, et puis j'allais dire même de franchise, voilà. Ben, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, je ne peux pas réfléchir à sa place et je ne connais pas les contraintes qui aujourd'hui empêchent Monsieur le Président Ouattara de prendre des décisions alors que nous avons connu un Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était très rigoureux. Et donc, beaucoup de personnes l'ont d'ailleurs soutenu sur la base donc de cette image qu'il avait donnée de lui-même, de quelqu'un d'intègre, de quelqu'un de rigoureux, de quelqu'un qui ne transige pas avec ce genre de comportement. Mais aujourd'hui, il faut voir, la déception est de plus en plus grandissante. Hein, et donc, avec son remaniement qui avait été annoncé en catastrophe, on a pensé qu'il en profiterait pour faire un petit ménage. Mais bon, on se rend compte qu'il y a eu des changements de poste. Mais en réalité, rien n'a été fait. Et donc, les Ivoiriens sont restés sur leur faim. Voyez-vous? Donc, on dirait peut-être que M. Ouattara a 10 ans de combat politique. Après, il y a eu certainement suffisamment de thuriféraires autour de lui. Et de sorte qu'aujourd'hui, il a du mal à se détacher, à prendre des décisions, ou ça donne aussi
l'image de quelqu'un qui est tenu par un entourage qui peut-être aurait des secrets ou des affaires qu'il ne voudrait pas forcément révéler. Bon, je n'en sais rien, mais bon, je veux dire que c'est pas ce que le peuple attend. Hein, de son président, ça. Le peuple attend que le président soit ferme et exemplaire et qu'il ne garde pas autour de lui de la pourriture. Mais bon, aujourd'hui, on se rend compte que les attentes sont déçues. Voyez-vous, le président qui entretient une armée mexicaine avec des milliers de généraux qu'on nomme alors qu'ils n'ont pas forcément. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, je pense qu'on pourra passer, n'est-ce pas, à d'autres choses en disant que je ne comprends toujours pas et je suis resté, je reste toujours sur ma faim en espérant que le président, il y aura un sursaut qui peut-être fera que ce que nous attendons arrive, cette fermeté, le fait qu'il puisse peut-être demain s'entourer de personnes intègres. Des personnes compétentes. Mais voyez-vous, les Ivoiriens pensaient que M. Ouattara Solution avait une armée d'intellectuels, de personnes brillantes et de technocrates autour de lui et qu'en le mettant là, on aurait vraiment la crème même de l'intelligentsia en train de piloter le développement de ce pays-là pour le faire accéder sur le chemin de l'émergence. Mais que non, nous avons. Et nous rencontrons des éclopés, nous rencontrons des personnes qui n'ont de bilan que de paroles, nous rencontrons des personnes qui, voyez-vous, il y a tout et n'importe quoi, une sorte de panier à crabes où les connivences prennent le pas sur les compétences, où le clientélisme prend le pas sur les valeurs et les aptitudes intellectuelles véritables des uns et des autres. Écoutez, nous avons décidé, nous, d'être des sentinelles qui veillons sur tout ça. Nous sommes dans notre rôle de sentinelles. Nous critiquons en espérant que ça va changer. Voilà, le sentinelle. Alors, vous avez parlé tout à l'heure un peu donc de ces valeurs pratiquement qui n'existent pas. C'est comme si on vendait un peu le rêve, les illusions, c'était la population. Alors, comment vous avez vécu pratiquement un peu la chute donc du Premier ministre, Monsieur Aoussou, à qui on a privé tout moyen pour pouvoir travailler. Alors, comment vous avez vécu un peu la chute donc du Premier ministre, Monsieur Jeannot Ahoussou? Ben, écoutez, la chute du Premier ministre Jeannot, j'en ai parlé. Vous savez, j'ai dit que le problème n'est pas le Premier ministre. D'ailleurs, l'argument qui a été utilisé pour démettre le Premier ministre n'était pas un argument qui était forcément tenable. On ne peut pas dire que parce que le Parlement a bloqué une loi qui vient de l'exécutif, et donc on démet cet exécutif pour le remplacer. Et comme paradoxalement, c'est Aoussou et je crois deux ou trois autres personnes qui sont parties, c'est l'équipe Konaté et autres qui sont parties. Mais bon, pas grand-chose qui a changé. Mais voyez-vous, et si on prend le président dans cette logique, on le suit dans cette logique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si il démet Aoussou parce que le PDCI s'est rebellé contre une loi qui était d'ailleurs en commission, mais même pas encore en plénière. Il y a eu des débats en commission. S'il démet M. Aoussou pour donc des débats un peu houleux à l'Assemblée, ça voudrait dire que si demain il y a un autre débat, il démettra encore le Premier ministre qui sera là. Ou bien, en démettant Aoussou, il s'assure que le Parlement est désormais à sa solde et que toutes ces lois passeront comme une lettre à la poste. Or, ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il était pour un Parlement qui ne soit pas une caisse, comment on appelle, la résonance. Il nous a dit qu'il voulait un Parlement qui soit indépendant, qui puisse garantir la séparation des pouvoirs. Alors, quand on démet un Premier ministre, parce que le Parlement a joué son rôle normal, comprenez que finalement, on s'est dit, est-ce que le président vraiment veut l'indépendance
de ce pouvoir qui est le pouvoir législatif. Alors, est-ce qu'on ne tombe pas en train de nous enfoncer quand même dans une dictature qui ne dit pas son nom, hein? Puisque après avoir démis le Premier ministre, on a vu que le chef de l'État, via aussi la rébellion, contrôle pratiquement tous les leviers, hein, du pays. Vous voyez donc le pouvoir législatif qui est dans la main de Guillaume Soro, le pouvoir judiciaire lui-même un peu lui-même, mais aussi avec Guillaume Soro aussi, hein, avec les éléments donc des forces nouvelles qu'on a nommées un peu partout, le pouvoir exécutif c'est lui-même, on a vu beaucoup d'éléments donc Monsieur Guillaume Soro là-bas, au niveau donc du quatrième pouvoir qui est donc la communication, Afoussi Bamba aussi qui est donc de la rébellion, au niveau donc si vous voulez donc des forces armées c'est encore la rébellion Soumaïla Bakayoko. Alors avec tout ça, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une dictature qui ne dit pas son nom, hein, qui est en train de s'installer progressivement en Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, ce que je voulais dire sur les influences sur le législatif, déjà, notez que on a un parlement qui est illégal, hein? On a un parlement qui est illégal parce que, bon, il a été installé dans des conditions qu'on sait en violation même de la Constitution de Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas utiliser l'article 48 pour permettre hein, la désignation du président du Parlement de Côte d'Ivoire qui ne remplissait pas les conditions. Donc, on a un Parlement qui est illégitime, illégal. Voilà. Et donc, ça, il faut que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. C'est un Parlement d'arrangement. Et cela dit, quand le président Ouattara a démis M. Aoussou parce que le PDTI avait posé problème, je pense qu'il ne devait pas nommer un autre premier ministre du PDTI, puisque c'est le PDTI qui pose problème au Parlement. Voyez-vous? Mais ça n'a pas été fait. Et donc, M. Duncan est du PDTI, démettre M. Aoussou, parce que le PDTI a posé problème, ça voudrait dire quoi? Que c'est M. Aoussou qui a un problème avec le PDCI et que Duncan n'a pas un problème avec les députés PDCI. Bien sûr. Donc, c'est tous ces paradoxes-là et puis dire qu'en Europe, c'est comme ça, quand il y a le président ou l'exécutif n'arrive pas à passer ses lois, il y a destitution. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans un régime parlementaire, un régime présidentiel. Écoutez, si vous estimez que le Parlement crée des blocages et que pour ça vous voulez avoir la majorité écrasante que vous avez d'ailleurs, qui puisse vous permettre de passer vos lois comme à la poste, vous pouvez dissoudre le Parlement et organiser des élections anticipées. Mais Effectivement. dissoudre vous-même votre gouvernement pour que. Voyez-vous? Bon. Ben voilà, c'est un peu donc la solution qu'on nous a vraiment promis en fait. Ah ben voilà, on vous comprend. cela dit, voyez-vous, mais bon, c'est la Côte d'Ivoire, hein. Tout se fait, tout s'explique, et puis bon, on accepte tout. Voilà. Voilà, une fois que ça vient de. Il y a des vérités qui passent pour des vérités d'évangile, mais bon, soumis au critérium de l'analyse un peu poussée, voyez que ce sont des vérités s'effritent un peu. Voilà. Effectivement, vous avez Donc, pas. cela dit, on voit qu'il y a beaucoup de recul. Il y a beaucoup de recul au niveau de la démocratie. On ne peut pas menacer les enseignants en disant que celui qui fait grève, on le met en prison, ou bien donnez-nous le nom de celui qui va faire grève, et puis bon, on va le radier et autres. Ça, c'est un recul démocratique. Le droit des grèves est un droit acquis, est un droit social acquis. Voyez-vous que le pays, encore que M. X ou Y à Bobo le disent, on peut comprendre, mais qu'un ministre de la République dise qu'il mettra des grévistes en prison et qu'il radiera des enseignants qui sont en grève, mais écoutez, le droit des grèves est un droit reconnu. Et c'est ça le mal. Quand vous désignez des ministres qui sont des semi-analphabètes, comme les Kandia, comme ministre de l'Éducation, on se retrouve avec des situations un peu paradoxales, un peu des situations comme ça, où le ministre n'a pas suffisamment de culture pour comprendre qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses qu'on accepte, hein? Bon.
C'est pas une bijou. Bon, cela dit, Ouais. ça témoigne d'un certain recul, un recul véritablement démocratique. Ok, d'accord. La démocratie. Nous disons que j'ai dénoncé très tôt, avant même que les organisations des droits de l'homme n'en parlent, j'ai dénoncé la torture, j'ai dénoncé des violations des droits de l'homme, j'ai dénoncé des arrestations et des enlèvements. Quand vous voyez des jeunes comme le petit Martial Yavo, qui est un petit que je connais très bien, qu'on enlève entre Dabou et Abidjan où il est conseiller d'orientation, voyez-vous, c'est des choses qui sont choquantes et je me renseigne sur cette question. C'est un petit avec lequel j'ai pas forcément de bons rapports parce qu'à l'époque il avait pris position bleu-boudé contre moi, mais je suis pas à ce niveau. Voyez-vous, pour moi, les droits de l'autre, même si c'est mon ennemi, je me bats pour que ces droits soient respectés. Et je me renseigne auprès des collaborateurs de Banni, ils me disent, ben, écoutez, j'étais en contact avec le petit, on soupçonne le petit d'être un émissaire de Bleu Boudé, donc on l'enlève sans preuve, on le garde quelque part dans une prison militaire, on le jette à la Maca. Quand vous voyez des personnes comme Ahmed Sanogo, on appelle à des discussions, on l'enlève, on le garde à Korogo. Et puis bon, voilà, vous voyez des maisons de certains politiques qui sont encore occupées jusqu'au jour d'aujourd'hui par des éléments des FRT, comme si c'était normal. C'est-à-dire la propriété privée n'est pas respectée. Ah oui, non, mais c'est normal depuis 2002, hein, voilà. Depuis 2002, c'est tout à fait normal. Il y a des pratiques encore qu'on peut accepter dans le cadre d'une insurrection, d'une rébellion, mais quand on rentre dans un cadre d'État véritable, c'est des choses qu'on ne doit plus permettre parce qu'il va de l'image du pays aussi. C'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Quand on voit le ministre ou le chef d'État-major qui convoque des opérateurs économiques dans son bureau et qui les fait arrêter pour les jeter en prison, soi-disant que ces personnes-là, eux, étaient promoteurs de certaines affaires qui étaient à l'avantage des FDS et que continuer ces opérations immobilières, ce serait payer une rançon aux perdants. Voyez-vous, comme si il n'y a pas de continuité d'État. On voit tous ces paradoxes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez comment le ministre Bakongo se retrouve en train de violer les droits de certains chefs d'établissement, fermer des grandes écoles et tout ça, en violation de la loi, il y a des décisions de justice qui sont prises, mais qui sont foulées aux pieds. Voyez-vous, c'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire, où nous avons un libéralisme, mais en réalité un clanisme, où les lois sont foulées aux pieds, où aujourd'hui c'est la force qui gouverne le pays. Les droits, si vous voulez, on va employer des expressions terre à terre, on n'en a rien à foutre du droit aujourd'hui dans le pays. Voilà, le droit, c'est le droit du plus fort. La loi de la jungle, effectivement. Alors, vous avez parlé, en plus de tout ce que vous aviez dit, hein, on a vu que sur le plan donc de la gestion, il y a beaucoup donc de laisser aller. Alors, on revient encore sur le cas donc plusieurs organisations des droits de l'homme hein, ont récemment fait donc état donc de graves violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Hein. Alors, comment vous réagissez par rapport à ces rapports de ces différentes organisations et de ces ONG hein, du côté donc du camp du gouvernement? C'est un peu le silence cathédral, ou bien on dénonce un peu, si vous voulez, ces rapports. Alors, comment vous voyez un peu cela? Ben, même je dis qu'il ne faut pas s'en prendre aux personnes qui critiquent. Hein, il faut s'en prendre à ceux qui posent les actes qui font qu'aujourd'hui il y a violation des droits de l'homme. Il faut cesser ce genre de comportement. Nous, on a connu la torture. Moi, j'ai connu particulièrement la torture. Voyez-vous, quand vous avez été torturé, vous ne pouvez même pas souhaiter la torture à autrui. Nous avons connu l'emprisonnement. Nous avons connu l'arbitraire. C'est des choses qu'on ne peut pas souhaiter à d'autres. On ne peut pas les reproduire, on ne peut pas les encourager. Il faut arrêter ce type de comportement. Aujourd'hui, vous vous comportez de cette façon. Et demain, il n'y a pas de pouvoir éternel. Même le pharaon a perdu son pouvoir. Donc, vous comprenez? Il faut penser à demain. Les rapports de force peuvent changer. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. De sorte que si vous vous comportez mal avec les gens, ils peuvent reproduire eux aussi ce type de comportement avec vous demain. Donc pour moi, il faut qu'on vienne dans un état de droit. Les FRC qui ne sont pas formés, il faut
amener des professeurs d'éducation civique dans les casernes pour leur enseigner les rudiments du droit, les rudiments du respect des droits de l'homme, les rudiments du respect de la propriété privée. Voyez-vous? Donc, il faut mettre un terme à ça. Les arrestations arbitraires, le racket, le pillage des deniers publics, les violations massives des droits de l'homme, il faut arrêter. Ça n'est pas bon. C'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour les opérateurs économiques qui voient tous ces rapports qui sont des rapports qui découragent. Lorsque on veut mettre en place un État émergent, il faut faire en sorte que la justice soit véritablement juste pour que les opérateurs sachent que demain, s'ils ont un problème avec autrui ou avec le pouvoir, ce qui va prévaloir, ce ne sera pas la position des uns et des autres, mais la justice. C'est pourquoi les violations des droits de certains opérateurs économiques, tout ça, c'est des choses qu'il faut arrêter. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le pays. Voyez-vous, donc, sur la question des violations des droits de l'homme, ma position est claire. J'ai toujours dénoncé ces violations des droits de l'homme. Depuis la période de Béguier à Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, j'ai été contre la torture, j'ai été contre toutes sortes de violations des droits de l'homme et je continue d'être contre ces violations des droits de l'homme. J'ai dénoncé cela dès le début. Quand Mourou Ouattara fait des push-ups, ce qu'ils appellent pompes, à des prisonniers, parmi lesquels il y a des officiers. J'ai dit clairement que c'est des violations des droits de l'homme. Voyez-vous, vous voyez, donc, en gros, pour moi, il faut essayer de retourner dans un état de droit. Quand on a une armée qui est comme ça, qui est en réalité une armée mexicaine, il faut éduquer les soldats. Vous savez, vous connaissez l'histoire de l'armée mexicaine. Au moment de la révolution mexicaine, tous les paysans étaient des généraux. Ils s'autoproclamaient généraux, général. Et donc, à la fin, il y avait tout le monde était commandant. Voilà, chez nous, c'est commandant, voilà. Il y avait plus Tout de le monde est généraux commandant. que de soldats. Voilà, Les paysans qui ont participé à la révolution étaient des chefs. voilà, c'est ça. Voyez-vous? Donc, Oui. on se retrouve dans un schéma où il y a plus d'officiers autoproclamés que de soldats. Parce qu'un gars qui vient au combat, il ne peut pas combattre en tant que n'importe qui. Eh C'est ça ben, qu'il va dire. d'accord. Même C'est la aujourd'hui, solution, oui. c'est des choses qui se comprennent dans un contexte d'insurrection populaire. Maintenant, on met en place un État, on fait en sorte que ceux qui sont au commandement de l'armée soient des gens éduqués, dans le sens anglais du terme, soient des gens qui aient certaines valeurs. On ne prend pas des délinquants, des anciens voleurs, des anciens braqueurs pour les mettre des commandants, des paysans pour en faire des commandants. Qu'est-ce que vous attendez d'un paysan qui ne connaît pas le minimum en droit, le droit de l'homme? Il va se comporter comme dans son champ. Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui a passé toute sa vie à voler pendant qu'il était dans l'armée, caporal, qui subitement devient un commandant? Ben, il va trouver toujours des situations pour piller le maximum, pour avoir des belles choses, voyez-vous, des petits trucs éphémères, des voitures, bon, des choses qui ne sont pas essentielles pour la vie d'un homme qui réfléchit aux choses supérieures, voyez-vous. Mais bon, pour ça, c'est aussi ça la Côte d'Ivoire. Il faut revoir ça. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'armée mexicaine, mais pour se moquer et pour parler de désordre, on parle d'armée ivoirienne. Hein? Vous vous comportez comme d'armée ivoirienne. Alors, merci beaucoup, monsieur Doumbia, Major. Hein, voilà. Alors, nous allons revenir un peu. Bon, pour nous résumer, hein, monsieur Doumbia Major, ça fait bientôt 2 années, 2 années, que monsieur Alassane Dramane Ouattara est à la tête du pays. Hein, il a promis beaucoup de choses. Vous avez décrit pratiquement un peu, j'allais dire, la gestion donc de son gouvernement. Hein. Alors, de façon générale, quel est le bilan que vous pouvez tirer de ces 2 années de gestion de M. Alassane Dramane Ouattara, de façon générale, grosso modo? Si vous voulez, avant même d'y arriver, vous avez parlé de dictature et tout ça tout à l'heure. Vous savez, avant-hier, quand on m'accusait de coup d'État, hein, et que On reviendra à ça tout à l'heure. On reviendra à ça tout à l'heure. on incitait leurs militants à me lyncher, hein, pour préparer l'opinion à un assassinat
qui soit acceptable, hein, pour dire voilà, et tout ça, quand on préparait donc cette opinion à ce lynchage et à la préparation psychologique à cet assassinat programmé certainement dans certaines officines, et parce que j'aurais appelé à la révolution. Mais j'ai dit, hier, aujourd'hui et demain, j'ai dit, moi, que tous les pouvoirs dictatoriaux doivent être renversés. C'est ma position, et je pense que c'est la position de M. Alassane Ouattara lui-même. Bien sûr. Qui, lors du coup d'État de Bédié, a dit de sa propre bouche que ce pouvoir a été renversé parce que c'est une dictature et qu'il l'approuvait. Bien sûr. Et je pense que M. Laurent Gbagbo aussi a soutenu le coup d'État contre Bédié. Et d'ailleurs, il a amené ses militants à la rue pour applaudir ce coup d'État. Pour dire que, bon, c'est intéressant quand on est dans une certaine situation de réprouver, de désapprouver certaines choses, mais à un moment donné de sa vie, on peut avoir approuvé aussi ces choses-là. Et donc, moi, ma position reste une position qui est constante. Pour moi, tous les régimes qui violent les droits de l'homme, pour moi, tous les régimes qui sombrent dans la dictature doivent être renversés, comme aujourd'hui les Occidentaux disent que le régime de Syrie est un régime dictatorial. Ils donnent des armes à l'armée syrienne libre pour la combattre et personne ne se gêne pour le faire. C'était les mêmes arguments qui ont été utilisés comme Kadhafi. Les gens l'ont approuvé et le monde a approuvé les révolutions de Tunisie et les révolutions égyptiennes parce qu'on estimait que c'était des dictatures. Et nous tous, nous avons applaudi certaines de ces révolutions contre des dictatures. Pour moi, quand un pouvoir est dictatorial, il faut le combattre et ne pas forcément attendre la fin de son mandat. Parce que dans les démocraties comme les États-Unis, alors, il y a des procédures. Monsieur Doumbia, pour bien comprendre, pour suivre dans votre logique, hein, quand un pouvoir est dictatorial, hein, selon vous, il faut combattre et renverser ce pouvoir. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le pouvoir de Monsieur Ouattara aujourd'hui est un pouvoir dictatorial, qu'il faut certainement renverser ce pouvoir? Ce n'est pas ce que j'ai dit, clairement. Mmh. J'ai dit qu'aux États-Unis, on a la procédure d'impeachment, qui fait que lorsqu'on sent une trahison du président de la République, soit parce qu'il est corrompu, soit parce qu'il passe des marchés à sa femme ou à telle personne, soit parce qu'il utilise, par exemple, les fonds publics ou parce qu'il vend des informations à des ennemis de l'Amérique, il peut être soumis à une procédure de destitution qu'on appelle l'empêchement. Donc, ce qui permet au président de ne pas aller jusqu'au bout de son mandat. Chez nous, la Cour qui devait faire cela n'existe pas. Et dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est un peu comme ça. Il n'y a pas de procédure démocratique qui puisse permettre au peuple de pouvoir faire prévaloir ses idées quand le président ou quand la classe dirigeante elle-même est en train de trahir les intérêts du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il reste alors au peuple? Il reste la révolution. Et donc, pour moi, dans des pays où il n'y a pas de procédure contre les hautes trahisons des dirigeants, le peuple doit être encouragé à s'insurger. Et l'insurrection est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans le discours paix et guerre de Barack Obama à Oslo, c'était la même problématique. On ne peut pas laisser un dictateur sous prétexte qu'il a été élu, faisant allusion à Hitler. Voyez-vous. Donc, alors monsieur Doumbia, monsieur Doumbia, dans ce même cas, hein, monsieur Alassane Dramane Ouattara pensait que monsieur Henri Konan-Bédié est un dictateur, le général Guéï est un dictateur, pour lui encore monsieur Laurent Gbagbo est un dictateur. Il se retrouve lui-même dans la même situation aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un dictateur? Moi, je ne l'ai pas dit encore. Non, c'est une question que je vous pose. Non, moi, pour l'instant, je suis en train d'observer le régime. Il y a des actes qui sont posés, primairement qui sont des actes imparfaits, et je suis en train de critiquer ces actes. Je ne suis pas encore arrivé à la conclusion définitive qui me permet de dire ce pouvoir est un dictateur, c'est tranché, c'est jugé, c'est adjugé. Voyez-vous? Mais les ingrédients sont là, si je comprends bien. Des éléments sont déjà là, n'est-ce pas? Des éléments sont en train de se mettre en place, et je demande au gouvernement de faire en sorte de renverser la situation de façon favorable. Parce que si le peuple lui-même constate la trahison, ce n'est pas moi qui le dirai.
Ce n'est pas moi qui amènerai les citoyens à la rue. Mais quand les citoyens iront à la rue, moi, je ne ferai pas les déclarations pour condamner. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant que je l'ai dit, on se lève à gauche et à droite. Doumbia a fait le renversement de Ouattara. Je dis, mais écoutez, vous êtes en train de me faire un aveu que le régime est dictatorial, parce que je ne l'ai pas encore dit. J'ai demandé qu'on renverse les dictatures. Et vous dites, Doumbia appelle au renversement de Ouattara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous retrouvez des indices de dictature au niveau du régime, et donc vous avez peur qu'il soit renversé par le peuple. Dès que je parle donc du renversement de dictature, vous vous mettez à aboyer sur moi. Ben écoutez, moi ça, je ne me reconnais pas dans ces propos. Et donc, pour l'instant, hein, je suis en train de critiquer, je suis en train d'aider M. Ouattara à faire en sorte que ses engagements qu'il a pris soient en accord avec ses actes. Pour le moment, je l'aide à mettre en accord ses engagements avec ses actes. Quand je vais constater que rien ne peut être fait, alors je vais tirer la conclusion qui est que, ben écoutez, il faut se comporter comme on se comporte avec une dictature. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Je suis dans la phase d'observation et de critique. D'accord, voilà. Je crois que c'était fait, hein, que vous avez déjà projeté donc de mettre en place, vous avez même fait mettre en place un front pour la réconciliation, l'unité et la démocratie. Où en est donc l'idée aujourd'hui? Est-ce que ce front est déjà en place? Est-ce que le mot front n'est pas un mot de trop? Non, il n'y a jamais, je pense, de mot de trop. Il faut savoir mettre les mots dans leur contexte. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse une situation, on va dire que, disent les Anglais, « we are in the mess ». Donc, c'est une situation qui est difficile, c'est une situation qui est merdique, on va dire ça comme cela. Et il y a les différents acteurs politiques qui n'ont pas compris qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de se rendre justice ou de rester accroché au passé, mais l'heure d'aller de l'avant dans la réconciliation, dans le pardon et dans la justice. Il y a des individus qui ont tout intérêt à maintenir la situation de belligérance parce que ça leur permet de satisfaire leurs intérêts privés, hein, au détriment du peuple en entretenant donc un cadre d'insécurité, un cadre de belligérance. Voyez-vous? Et donc, nous en avons un peu marre de tout ça. Les Ivoiriens en ont marre de ce jeu avec lequel... dans lequel on est en train de les embarquer. Et c'est pourquoi nous avons dit à un moment donné, il faudrait qu'on puisse se mettre ensemble pour... Alors, je pense que nous avons donc un petit problème. Le temps, c'est tellement donc d'avoir... Alors, je pense que nous avons momentanément perdu le docteur Doumbia. Nous allons donc l'avoir tout à l'heure. Hein. Voilà, je crois que nous avons un peu engagé le débat hier. Hein. Par rapport à cela, je crois que bon, beaucoup de personnes avaient critiqué un peu mon point de vue. Hein, mais ne sont pas tellement loin de point donc du docteur Doumbia. Voilà, un peu de musique. Le temps donc d'avoir notre invité tout à l'heure. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie, mon nom...